Famille, c'est interdit de pleurer. Ce que Leslie a eu après que Love Gugu ait parlé sur elle, je vous réfère toujours. La vidéo que je vous avais référée hier d'aller voir, hein? La vidéo ici. Allez regarder la vidéo là. C'était la mort de la maman de Bob Lee. Love Gugu maudissait Bob Lee. Et puis après, il était mort. Et ce qui est arrivé à Leslie, on va tout suivre, on va voir. Leslie elle-même, elle a compris que c'est venu de Love Gigi. Ce qui est arrivé là, elle a vu que ça vient de là. Et on va mettre une partie de la vidéo de Love Gigi. Une partie récemment de sa vidéo que moi j'ai récoltée. On va aussi suivre qu'est-ce que Love Gugu a dit à Leslie. Donc, il y a, famille, les clashs ici, c'est interdit de pleurer. Oh, c'est vraiment interdit de pleurer. Est-ce qu'il y a quelque chose, comme on dit, gris-gris dedans, dans cette histoire entre Leslie et puis Love Gugu? Est-ce que le parole que Love Gugu a fait sortir dans les lives qu'on va vous mettre, est-ce que cela a causé qu'après la sortie de Leslie, ce qui est arrivé à Leslie est vraiment arrivé à cause des paroles de Love Gugu? Point d'interrogation. Alors, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation, ouais, à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Sans oublier de saluer les guetteurs. Oui, les guetteurs. Salut aussi à vous. On salue aussi le nouveau venu. Donc, si vous êtes ici nouveau, n'hésitez pas à partir de maintenant de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Alors, à partir d'ici, suivons tous la vidéo et retrouvons-nous tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Quoi? Quand il passe quelqu'un sur la veille, que c'était là, tu t'es levé, hey! Quand vous ne savez pas les choses à faire, mais vos cons, avec vos niais, et puis poussez là-bas. Laissez-moi tranquille. On termine. Ma chérie, ben paye pour ma samo, ben son, assez de dents, assez de néments. Donc je ne peux pas. Est-ce que j'ai fini de réfléchir sur Kofi Clara? Est-ce que j'ai fini de réfléchir sur Charlène Kofi? Est-ce que j'ai fini de réfléchir sur Mounao, sur Jérémy, sur M. Nyali? Est-ce que j'ai fini de réfléchir sur Ethan? Pour concentrer ma vie sur la vie d'une personne, c'est-à-dire qu'elle-même qui lutte avec elle-même. Non, mais désolé. Non, mais franchement, désolé. Je n'ai pas de problème avec personne. Je quand même Edwige a dit ça clair. Qu'elle a comme l'impression que, comme je suis ami avec tout le monde, donc du coup, si elle a la problème, j'ai dit non, si tu n'as pas raison, je vais te dire que tu n'as pas raison, Edwige. Si tu as raison, je vais dire à la personne que tu n'as pas raison. Que tu as raison. Je suis arrivé à ce stade-là. Donc, elle, comme en ce moment, tous les bloqueurs sont réunis en ce moment. Ils ont décidé de faire un truc. Tous les bloqueurs, sans exception, ont décidé de faire un truc. S'il y a qu'un live, par exemple, je peux monter sur le live. Et puis, les différents abonnés de Yaka, moi-même mes abonnés, ceux qui m'aiment bien, ceux qui me détestent ne vont pas me donner cadeau. Ceux qui aiment Yaka vont donner cadeau à Yaka. Ceux qui aiment l'univers de... C'est que tous les blogueurs sont Aya Roberto, sont Edwige Milano, sont Jessica O, j'ai dit bien, tous les blogueurs, même Rose Bonbon. C'est que toutes ces personnes-là, on se retrouve sur le palais TikTok. Et puis les différents. Si Rose Bonbon, la maison bleue. Si Rose Bonbon et ses abonnés viennent et puis ils sont contents de nous voir ensemble, ils nous donnent, ils nous arrosent des cadeaux. Ou bien si tu as pas de truc, hey, toi là, tu m'as pas donné un cadeau aussi, hein? Donc c'est Rose Bonbon, c'est qu'on anime nos pages à notre manière. Comme je suis avec ces personnes-là. Donc elle, dans sa tête de star, dans ta tête, sa tête de queen. Des niagas qui sur sa tête, André, et chiot, j'ai fait sur ma tête là. Couronne de rêve.
couronne de billets qui sert de boda kourou qui est sur sa tête là. Poil là, on conspire contre elle, mais pourquoi même on conspire contre toi? Est-ce que tu t'es une fois levé pour venir dans ce live là et puis quelqu'un t'a fait vraiment? Ou bien quelqu'un t'a dit quelque chose? Je ne sais pas. Donc pour elle là, parce que deux jours là, je suis sur les lives de ces personnes là, parce que je suis arrivé, je suis là, là-bas là, tu vas faire TikTok, peut-être que tu peux avoir 5 euros, tu peux avoir 10 euros, tu peux avoir 15 euros, mais c'est un petit. Vous avez des panels, vous dormez sur la vie des gens, vous parlez des gens, vous insultez les gens, si je ne veux pas faire ça là, c'est forcé. Vu mon âge là, je ne me vois pas en train de mettre photo de quelqu'un derrière pour venir décortiquer la vie de la personne, pour venir dire que tu es comme ça. Tu viens, tu m'insultes, je t'insulte, tu me parles mal, je te parle mal. C'est mon panel. Si je veux rire, je prends mon truc. J'ai mes trois personnes, je cause, je ris à eux, ça me fait changer. Si j'ai des trucs à faire, je vais vaquer à ce que j'ai à faire. Parce que tu me vois à ces personnes-là, quoi, parce que oui, même si m'ont souhaité 100 ans de prison là, c'est toi-même qui me montre que je dois aller faire prison. Donc c'est toi qui hypocrite de l'histoire. Ceux qui m'ont souhaité 70 ans de prison là, 90 ans de prison là, savaient que je suis sur le panel, savaient que je débat sans arrière-pensée. Mais là, toi-même, tu as soulevé ta couronne, hein, de billets, qui c'est, ta couronne de caca pour mettre sur ta tête là. C'est toi-même qui me montre maintenant que tu as problème avec moi. C'est toi-même qui me montre que ce que tu faisais là, c'était par intérêt. Oh, moi, je trouve qu'ils ont été sincères. Parce qu'elle veut demander, c'est bon maintenant. Leslie, c'est bon comme ça. Je suppose que j'ai payé ton crédit jusqu'à quand je suis fatigué. Le crédit que j'ai pris là, j'ai trop payé, c'est bon. Je ne te dois rien en fait. On t'a pas serré le cou, on t'a pas mis la laisse pour que tu viennes me soutenir, à ce que je sache. Tu l'as fait de ton bon vouloir. Et c'est que tu as gagné dans ça aussi là. Dieu et puis la terre sait. Donc il y a quoi? Il y a quoi, Leslie? Avant de parler de ce que tu as gagné. Dans ce que tu as gagné là, on va parler de ça. C'est toi qui es ingrate à la fin. C'est toi qui es grâce à la fin, Leslie. Donc tu vas libérer ma vie, mon existence. Si tu veux là, faut prendre mon lettre, faut prendre mon lettre, faut la plier. Faut faire boule de gueule, faut mettre ton nyané d'adoué. Il en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre avec cette gueule puante? C'est pas mon problème, moi. Carrément. Hé! Hey! Je la vomis, je la chie comme caca chaque matin. Elle n'est rien même. C'est toi qui penses que c'est l'homme. Tu es malade. Tu vas te réveiller, t'as me charger, t'as quel problème? Hé! Hey, enlève mon nom dans ta bouche, hein? Il faut enlever, hey, libère ma vie. Parce que la tienne est libérée. Devant Dieu, devant les hommes. Sur la terre des hommes où on marche, sur tous tes fétiches que tu as dans ta maison, sur tous tes maraboutages, hey, je jure dessus. Je te vois pas. Je n'ai rien contre toi, je pense même pas à toi. Tu n'es même pas, ça dit que quand je, si même j'ai un calcul à faire, tu n'es pas dedans. Pas à ce dedans quoi, je sais pas. Tu n'es nulle part. Donc essaye de libérer ma vie, s'il te plaît. Essaye de libérer ma vie. Ceux qui m'ont donné 90 ans de prison, qui m'ont donné 100 ans de prison, pendant que toi, à 5 heures du matin, tu dormais pas, tu te réveillais pas là. Hé, hey, laisse, je pense que ton merci est trop, hein. Ça n'est pas assez comme ça. Parce que vous n'avez que ça, la bouche, toi et tes abonnés. Quand je pense que tu l'as soutenu là, quand je pense que, hé, hey, hier là, c'était toi qui étais là. Quand je pense que, il y a quoi? Il y a quoi? Eh, ouais. Il y a quoi? Quand je pense que quand ça l'avait été cédé là, tu t'es levé, hé, hé, hé. Quand vous ne savez pas les choses à faire, mais vos cons, avec vos nyémés, et puis poussez là-bas. Laissez-moi tranquille. On termine. Oh, Binan, là, c'est ma princesse. Voilà. Il y a 100 francs. J'envoie. Faut pas que je suis votre appel. Va la manquer. Faut pas Tresse va la manquer. Faut pas Petit Bout de Rêve va la manquer. Faut pas Caillé va la manquer. Quand on dit à réunion des parents, de faut pas que je va la manquer. Elle le voulait ses grands-parents, oui. Mais voilà, ça va. La seule chose. C'est qu'elle me manque, elle est loin de moi. Et pour son éducation, pour son école, vous savez que l'Europe ici, l'école est bien. Voilà. C'est pour ça qu'elle est laissée à côté de sa grand-mère. Sa grand-mère a fait de son mieux. Elle continue à faire de son mieux. Je prie Dieu qu'un jour,
La petite vient me retrouver en France pour qu'elle ait, elle aille à l'école pour qu'on... Ça veut dire que demain, elle est intelligente là. Hein? Pour aller... Moi, elle m'a dit qu'elle était forte en sciences. Elle dit, bon, tu peux devenir docteur, mais il faut devenir chirurgienne. Comme ça, quand je suis dans les 50 ans, tu peux tirer mes seins. Il ne faut pas ça devenir comme pour Gugu. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci à, au tata de DB 5 étoiles. Je vais faire une vidéo enregistrée spéciale pour ça parce que c'est que beaucoup de ces tatas ne sont pas encore connectés pour vous annoncer officiellement que votre fille a eu son entrée en 6e. Voilà. Elle est très contente. Elle est... Yeah, la belle fille est intelligente. C'est pas dans les sabots. Moi, je me suis choquée. Elle dit, c'est bon, mon cerveau, elle a pris là. Elle a pris chez toi. Non, je pense qu'elle a pris chez ma grand-mère, son homonyme. Ma grand-mère est intelligente, hein, après à son âme. Je n'ai pas dit le monsieur intelligent, hein. Moi, j'arrive en Angleterre, je parle anglais. J'arrive aux États-Unis, je parle l'anglais. J'arrive au Burkina, j'arrive à parler. Pas le mourir, mais j'arrive à prendre l'accent. Je comprends vite les choses. Bon, comment Dieu ne m'a pas donné le... Aussi, j'avais des parents très pauvres aussi, hein. Voilà mon père aussi, on dit qu'il va à l'école. Même quand le stylo manquait 100 francs, le vieux me fait tourner jusqu'à... Bon, le temps que le vieux a donné 100 francs aussi des stylos. Ou bien 200 de couverture de cahier. Moi, je n'ai pas dû jouer dans un lac avec mes copines. Ou moi, je suis parti au bord de la plage, vu qu'on habitait à Dufou. On s'est ramassé poisson chez les Angolans. C'est tout ça qui a perturbé mon école. La pauvreté a perturbé mon école. Merci, merci beaucoup. Donc, Gugu, comme je suis ta fille, ta petite fille, vieux, le vieux Gugu. Merci, tonton. Le vieux Gugu, ta petite fille, bébé 5 étoiles. Hein? A eu son entrée en 6e. Première de ta classe. Première de sa classe. Viens ramener ta babe. Tu vas l'envoyer son bonbon. Arrête de nous faire chier. D'accord? Arrête de nous faire chier. Et va te reposer. Tu as vieilli. Ah, ça c'est bon signe ça. Boisson inversée sur ma poitrine juste. C'est pas grave. À la grande sous soumain. À la grande sous-soumane. C'est bon signe. Bon, je vais vous prendre un sur TikTok. Mais j'ai un problème, hein, je n'entends pas. Bébé, on met ton invitation. Sur TikTok? Oui. Félicitations, bébé 5 étoiles. Merci. Bébé, donne-moi mon pain là, s'il te plaît, mets ça sur ma poitrine. Ceux qui viennent d'arriver ne vont pas comprendre que c'est boisson. Il y a quelqu'un qui dit, c'est pas nous qui sommes nés à Dufour, on aime la plage, Haïto aussi. On a grandi au bord des vagues, on n'a pas aimé la plage. On est plus que les Angolans, hein. Ceux qui font à Odje là. Je repasse si tu t'as vu, venez sur TikTok. On est venu fêter ça. Mais moi ton invitation, mon père. Oh là, j'ai pas envie d'aller me changer dans les restes comme ça. Ah ouais, ton invitation. Je suis très contente pour ma fille, n'est-ce pas, hein, Karine? Non, j'étais très contente. C'est ça qui m'a rendue contente, là. Donc, on va laisser. C'est Gugu qui a fait ça. C'est Gugu qui a fait qu'elle était... Gugu n'est pas là à l'école, hein. C'est Gugu qui a fait qu'elle est entrée en 6e. Hein? Gugu peut faire que quelqu'un va entrer en 6e. Tout ce qu'elle s'est fait, là, c'est la paix. Gugu s'est fait quoi? Gugu, quand on lui dit d'aller à l'école, peut-être voler les chips. Elle-même, elle a dit ça ici. Quand on s'est clashé en 2021... Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, le nouveau nom dans le bloc. Bon retour aussi aux guetteurs. Bon retour aux nouveaux venus. Voilà, bon retour à tous. Bref, cette action que vous avez expérimentée avec les yeux, on dit que le monde spirituel est plus fort que le monde physique. Leslie Buvet dit, hein, voyez sa boisson était renversée sur elle pendant qu'elle parlait de cette histoire que Love l'a maudit. Regardez, j'ai donc toujours exemple, hein. De la vidéo, j'ai donné l'exemple, non? J'ai donné l'exemple de la vidéo de la mort de la maman de Bob Lee. Si vous allez sur TikTok, si vous êtes sur TikTok, je ne demande pas aux gens qui ne sont pas sur TikTok d'aller suivre ça. Regardez les gens qui sont sur TikTok là. Allez chercher Love Gigi.
allez sur ces vidéos, regardez, regardez, vous allez voir, il y avait plein de vidéos là où elle avait maudit Bob Lee. Et après ça, quelques semaines, Bob Lee était mort subitement, sans si c'est quoi, si c'est raison. Donc, c'était là-bas, on donne. Donc, j'essaie un peu de récapituler, hein, un peu de donner ce qui a été passé, ce que moi j'ai vu là-bas. Donc, ils ont dit quoi? Sa mort a été mystérieusement, mystérieusement. J'ai dit là-bas dans la vidéo que oui, on peut mourir. Chez nous en Afrique, là, c'est quelqu'un meurt. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Mais pourquoi on a cette idée-là que quand quelqu'un meurt, c'est pas normal? C'est à partir de nos vies, à partir de nos spiritualités africaines. C'est ça là. Il y a souvent, auparavant, hein, quand quelqu'un meurt là, il savait que non, la personne là est morte naturellement. Mais il y avait aussi des morts qui ont été causées par des autres humains, par des autres, par des proches, par des autres. Donc, la famille, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être connaissances, ça peut être n'importe qui et qui va vous faire quelque chose et vous allez mourir. Moi, j'ai vu seulement une incantation là où Love Gigi faisait pour Bob Lee. Moi, j'ai vu ça au Congo. Moi, j'ai vu ça ici en Afrique du Sud. Je ne vais pas vous dire ça pour que, oh, il y a plein de gens ici qui vont vouloir peut-être essayer, oh, ou à faire quoi là. Je n'encourage pas à faire du mal à quelqu'un. J'ai retenu seulement une vidéo de tout ce que Love Gigi faisait. Et elle a fait ça correctement. On n'accuse pas Love Gigi, hein. Parce que les guetteurs ici, vous allez prendre ce que le stress va dire, vous allez encore préparer ça, mettre du sel, ajouter des épices et puis aller servir les gens de l'autre rive. Je vous connais, vous êtes comme ça. On n'accuse pas. Mais l'incantation que moi j'ai vue là, comme elle l'a fait là, j'ai vu ça au Congo, j'ai vu ça ici, en Afrique du Sud, ils font ça de la même manière. Ces histoires ici, si vous ne croyez pas, j'ai parlé à mes clients, d'autres clients d'ici, qui ne croient pas à ces histoires, mais moi je vous dis là que cette histoire, ces histoires ici, c'est vrai, ça existait. C'est comme ça Dieu nous avait créés. C'était ça notre spiritualité avant les évangiles, avant les portugais, avant les catholiques, avant tout, tout, tout là. C'était ça. Mais on utilisait ça de bonne manière. Moi, j'ai expérimenté moi-même quand on grandissait. Il y avait quelqu'un qui était mort au village. On a amené les cadavres en ville. C'était même le voisin de mon camarade de classe. Il a voulu pleuvoir. Les gens ont arrêté. Tu peux voir même la pluie vraiment est là même. Ils ont arrêté la pluie. Ça n'a pas plu. Pourquoi? Parce que la maison était trop petite pour tout le monde, pour tout le monde, pour entrer dedans et amener les cadavres dedans. Donc la maison était trop petite. Ils ont dit que non, 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 ça va plus pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de tout le monde ici dehors. La maison est trop petite. Et ils ont fait passer la pluie. Auparavant, les Africains communiquaient avec la nature, communiquaient avec le sol, communiquaient avec de l'eau, communiquaient. Mais après un moment donné, c'est gâté. C'est abîmé, oh. C'est devenu maintenant le métier des gens qui vont faire mal aux autres gens. C'est devenu un métier. C'est comme si la sorcellerie, on peut dire. C'est devenu comme un métier pour faire du mal aux autres qui n'est pas bon. Mais comme on dit toujours, Dieu a créé le monde avec de loi. Si vous cassez la loi ici, retenez-vous dans votre tête que vous aurez la réaction. Comme ma maman Audrey avait dit, action, réaction, c'est comme ça Dieu a créé le monde. Alors chez nous ici, chez Elios 13, on dit souvent et on encourage les gens à faire ce qui est bon. On encourage les gens à aimer les uns les autres, à ne pas avoir de la haine, même si c'est comment, même si vous n'avez pas entendu dans un sujet là, même s'il y avait quelle palabre, mais de faire un effort d'aimer votre prochain et d'être gentil envers vos prochains. Car c'est très important. Pourquoi? Parce que ce que vous donnez là, même la Bible dit non, c'est à la même mesure que tu mesures aux autres et qu'on va te mesurer au. Peut-être ça sera deux fois la mesure que vous allez mesurer pour donner aux autres. Alors,
Qu'est-ce que vous servez aux autres? Est-ce que vous servez la haine? Est-ce que vous servez quoi? Ce qui est mauvais. Donc, servez aux autres ce qui est bon pour que quand ça va vous retourner là, ça va être du bon. Si c'est deux fois là, ça sera même trop bon. Mais imaginez, vous servez la haine aux gens, vous servez ce qui n'est pas bien aux gens, les insultez, vous tuez les gens et vous faites n'importe quoi là. Un jour là, tout ça là que vous faites là, ça va vous revenir. Et le français, tout ça là que vous faites là, ça va vous revenir. Alors, make sure to behave. Make sure que vous avez une bonne communication ou bien vous avez une bonne relation sur votre entourage. Parce que quand un problème arrive chez vous là, c'est d'abord votre entourage qui va vous voir avant que votre famille. Nous, on est à l'étranger, hein? On est à l'étranger ici. Nos mamans, nos papas, nos familles ne sont pas ici. Vous voyez, quand il y a un problème, ce sont nos entourages qui voient ces problèmes et qui essaient de nous aider avant que nos familles arrivent, avant qu'on appelle papa, avant qu'on appelle maman. D'abord, c'est ton entourage. Alors, si tu es une personne problématique, comment on peut t'aider? Tu peux même mourir, hein? Tu peux même mourir comme ça, il n'y a personne. Vous voyez, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci, merci énormément à tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ce moment. Merci, merci aux guetteurs, merci aux nouveaux venus. C'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche des notifications, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter nos vidéos très gentiment. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Et aussi, vous là, si vous êtes abonné déjà, cliquez sur la cloche de notification car personne ne sait la vidéo qu'on va mettre à la prochaine fois. Alors, pour l'instant, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications.